Bien, allez, je fais mes petits partages pendant que vous arrivez. Aujourd'hui, j'ai fait le masque or, le masque peel-off. Donc, je suis un petit peu en retard, du coup, parce que j'attendais qu'il soit bien sec. Voilà. Allez, je fais mes petits partages. Faites pareil, ça m'aide énormément. Ça permet de me faire connaître. Hop, allez. Je fais mes petits partages. Hop. Zouf. Là, je cherche le live. Voilà, il est là. Allez, je partage sur mon profil. Bon, j'ai un petit peu. Ouais, j'ai 40. 45. J'ai 15 minutes de retard. J'avais dit 13h30, mais. Allez. Hop. Faites-moi un petit commentaire, un petit coucou quand vous arrivez. Allez, mon deuxième partage sur mon groupe et après on y va. Alors, si vous regardez cette vidéo dès le début, c'est que vous êtes en replay. Dans un groupe, et quand il est bien sec, il se détache bien. Bon, je pense que j'ai des parties où. Là, j'ai un doute. Là aussi, qu'il soit bien sec. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez vu que dans l'offre du mois, vous avez un masque au choix. Donc, tous les jours, je vous en fais un. Vous avez le masque séborégulateur pour les peaux mixtes à grasse. Donc, vous savez, quand vous avez les zones grasses, les zones qui brillent, eh bien, c'est là que vous devez mettre. Donc, vous avez les pores qui sont dilatés et votre peau rejette le sébum. Donc, pourquoi je vous celui-là? Je ne sais pas. Donc, ils sont dans ce nouveau packaging. Moi, j'ai l'ancien packaging pour celui-ci. Donc, il est de couleur vert. Voilà. Voilà le masque séborégulateur. Donc, moi, je le mets en particulier dans les zones brillantes. Donc, la zone T. Moi qui brille énormément, les ailes du nez, le menton, j'en mets également. Et je peux aussi par la suite mettre le noir sur une autre partie de mon visage. Ça n'empêche en rien. Donc ça, c'est le masque séborégulateur. Après, vous avez le masque exfoliant. Donc il se présente comme ça, il est blanc. Il y a des petites particules, des petits grains pour venir. Donc ça, c'est surtout pour les peaux sèches. Mais. Moi je l'utilise aussi donc pour tout type de peau en fait. Bon, il sent pas bien bon, mais il est super efficace. C'est pour enlever toutes les peaux mortes. Quand vous avez la peau qui désquame, c'est idéal. Ben, on le voit hein, souvent quand on passe notre fond de teint et puis on voit les petites peaux mortes, c'est qu'il y a besoin. Donc le masque exfoliant, il est nickel. Donc vous le posez, vous malaxez votre peau. Alors moi j'aime bien mouiller mes bouts de doigts, j'aime bien. Je trouve qu'il est moins il me fait moins mal. Voilà, je le malaxe bien. Et au bout d'une minute, après je le laisse sécher pendant 5 minutes. Et donc il va revenir réhydrater la peau. Et il va enlever donc toutes vos peaux mortes. Il est vraiment idéal. Franchement, moi c'est mon chouchou. Après, vous avez le masque éclat, celui que j'ai actuellement, qui est comme ça. Il n'est pas sous cette forme-là maintenant, il est sous forme de tube. Je vais vous montrer, donc beaucoup plus pratique à poser. Et je pense que il évitera de sécher comme dans le pot. Voilà, il est comme ça. Comment ça va, Laetitia? Donc, c'est le masque éclat. Bon, là, il faut que je l'enlève, ça me gratte. Coucou Sylvie. Et le dernier masque que vous avez dans l'offre du mois, c'est le masque noir, le masque purifiant. Donc, c'est pour purifier notre peau. Alors, il a la particularité, c'est qu'il pétille, celui-ci. Hop. Voilà. Hop, j'enlève. J'enlève, je m'enlève le masque. Comment ça va, Sylvie?
Alors, voyez, celui-là, c'est le seul hein, que vous avez dans la gamme. Donc, vous en avez quatre hein, au choix. Tête dans la gamme. C'est le seul qui fait pelle off. Hein. Voilà. C'est le masque éclat, celui que vous avez en tube. Il est à base de niacinamide. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Hein. Il est à base de niacinamide. C'est une vitamine hydrosoluble. Oh, pardon. Du groupe B. Donc, qui est antioxydante. Donc, idéal pour le vieillissement de la peau. Voyez, j'enlève délicatement. Hein. Alors, celui-ci, la première fois qu'on le pose, il picote. Mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et vous voyez, on l'enlève comme une seconde peau. Il est vraiment idéal. Donc, il renforce l'élasticité de la peau. Il tonifie la peau également. Et il minimise les pores dilaté de la peau. Voilà. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un gant humide pour enlever. Vous voyez, là, il n'est pas tout à fait sec. Hein. C'est pour ça qu'il fait comme ça. Pourtant, je l'ai posé depuis 1 h 15. Mais voilà, et c'est l'important, c'est, vous voyez, c'est qu'ici, je dois avoir une couche un peu plus épaisse. Ah, ça a dû te faire du bien. Partir comme ça. Bon, il n'a pas fait sûrement bien beau, je pense. Nous, on a eu l'appui. Il faut que je refasse les sourcils. Ça pousse à une allure. On n'est pas parti, mais samedi, on a eu beau temps. Et samedi, beau temps. Voilà, on a fait barbecue. J'ai fait ma couleur hier. Ça va mieux, hein? Les cheveux blancs, ils sont bien cachés, hein? Et mais dimanche et lundi, un temps pourri. Dimanche après-midi, si, quelques rayons de soleil quand même. Je sais pas si sur Lyon, vous avez eu le même temps. Mais. Ouais, il pleut aussi. Normalement, ça, il n'y a pas besoin de passer un coup de gant hein, après. Hein. Mais bon, je me suis dépêchée de venir vite en live. Je vous avais dit 1 h 30. Et voilà, j'ai déjà un quart d'heure de retard. Donc, j'ai pas patienté pour qu'il sèche bien comme il faut. Donc, vous voyez, vous l'enlevez délicatement, comme une seconde peau. Et franchement, ça fait du bien de prendre soin de sa peau parce que, bon, pour l'instant, avec le soleil, on n'a pas ce problème-là, hein, n'est-ce pas? Donc là, je mets de la crème hydratante. Je n'ai plus de crème de jour. J'attends mon colis avec impatience. Donc, je mets la crème de nuit. Ah, il pleut aussi à Lyon. Voilà, dans les crèmes Youlogy, nouvelle gamme qu'ils ont sortie en début d'année, vous confectionnez, parce qu'on peut appeler ça confectionner, votre crème par rapport à votre peau. Vous recevez, je vais vous parler par exemple celle-là, crème de nuit. Vous avez dans la gamme le nettoyant visage, le sérum, qui est comme ça, crème de jour. Voilà, que moi elle est vide. Et crème de nuit. Et sur ma boutique, donc en même temps je mets ma crème, hein, comme ça on ne perd pas de temps. Sur ma boutique, vous avez un questionnaire. Sans obligation d'achat après, hein, mais bon, c'est bien de savoir quel est le type de peau que vous avez. Vous répondez à quelques questions, je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 de questions. Et sur ma boutique, on vous dit quel est le booster qui convient à votre peau. Par exemple, le booster pour le sérum, le booster pour votre crème de jour, pour crème de nuit, et ainsi de suite. Et donc, vous recevez. Attendez, je finis. Voilà. Bon, elle est un petit peu plus grasse, la crème de nuit, que la crème de jour. Mais bon, hein, je ne sors pas sans crème. Hein. Donc vous recevez dans un petit pochon comme ça, avec votre petite fiche. Donc moi c'est marqué Alexandra Yologie, après il y aura votre prénom Yologie, et les trois boosters que vous avez choisis. Alors, donc vous recevez la crème, comme ceci. Vous recevez dans le pochon les trois boosters. Les trois boosters, c'est trois petites flaconnettes comme ça. Voilà. Et votre petite spatule. Et il suffira simplement d'ouvrir les tubes, donc le petit bouchon, couper le petit opercule de sécurité et les rajouter dans votre crème de jour.
ou de nuit, ou de sérum. Et avec la petite touille, faites votre petite mixture, vous remélangez les trois boosters. Donc moi j'ai le réparateur, j'ai l'élasticité de la peau, bien évidemment. Et j'ai le réparateur pour les crèmes de nuit. Voilà, j'ai ces trois boosters. Donc moi l'ordinateur m'a dit qu'il fallait que j'ai ces trois boosters pour ma peau. Il existe plus de 40 000 combinaisons possibles. Donc il y a largement le choix. Et ça, c'est personnalisé à votre peau. Une autre personne ne pourra pas mettre votre crème. Alors attendez, hop, je range tout parce que vous savez que je suis maladroite. Donc après, je fais tout tomber, moi. Je suis Miss Catastrophe. Là, je range tout. J'ai oublié la spatule, c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai bien hydraté ma peau. J'ai bien hydraté ma peau. Donc dans l'offre du mois, vous avez un masque au choix. Donc, vous choisissez suivant le type de votre peau. Je peux vous aider pour choisir, il n'y a aucun souci. Une bébé crème. Donc la teinte au choix aussi, tout dépend de votre couleur de peau. Donc ça aussi, je peux vous aider. Et une poudre de finition que je vais vous parler tout à l'heure. Hop. Allez, je mets la bébé crème. J'en mets pas beaucoup, vous voyez. Et vous voyez, le flacon, il est quand même suffisamment grand. Il y a 6 teintes. 6 teintes de bébé crème. Hop. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau sinon? Hop là. Malgré le mauvais temps. C'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose hein, avec ce temps pourri. On n'a rien fait hier. Du coup. Rien de chez rien. Alors, la bébé crème, ce n'est pas un fond de teint. Il a une couvrance vraiment très très légère. Il contient une crème hydratante. C'est pour ça que je l'étale avec les doigts. Au début, je l'étalais avec le pinceau. Et je trouve qu'avec le pinceau, bon, j'en ai pas essayé beaucoup. Hein. J'ai essayé. Il est passé où? Je l'ai lavé. Ce que j'en ai fait. Je l'ai lavé, j'ai pas dû manger encore. Ah si, il est là. Voilà, j'ai essayé avec ce pinceau-là et franchement, pas convaincu du tout. Hein. Il est encore humide, tiens. Pas convaincu du tout. Je trouve qu'il encrasse les poils du pinceau. Après, il faut que je l'essaye avec celui-ci, celui-là. Le pinceau Kabuki. Mais bon, pour l'instant, avec les doigts, je trouve ça top. Je trouve ça top. Alors, je vous avoue que je n'aimais pas du tout la bébé crème. Parce que je l'utilisais avec le pinceau. Et je trouve qu'avec le pinceau, on en met beaucoup plus. Je me suis les mains. Voilà, l'inconvénient de mettre avec les doigts, voilà, c'est ça. C'est qu'après, on en a sous les ongles. Ça, j'aime pas non plus. Voilà. Allez, zou. Je vais mettre un petit peu de musique, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas si mes partages ont été faits, j'en sais absolument rien, c'est pas grave. Donc vous voyez, bébé crème, donc elle contient une crème hydratante dedans. Mais elle ne remplace pas votre crème hydratante, hein. Vous avez vu, j'ai mis ma crème hydratante avant. Hein. C'est préférable, hein. Non, pas Minecraft. Qu'est-ce qui me fait la tablette là? J'ai dit pas Minecraft. Tu hein? No copyright musique. Donc c'est vrai que c'est pas de la bonne musique, comme on aime l'entendre, mais bon. Au moins je suis pas coupée par Facebook. Donc une bébé crème. Et maintenant donc, est-ce que c'est la couleur? Voilà. Vous avez quatre teintes. Alors c'est des poudres de finition qui viennent flouter vos ridules. Mais en plus de ça, donc ça matifie votre teint. Donc moi qui ai la peau mixte, j'avais peur quand j'ai utilisé la première fois la bébé crème que j'ai la peau toute grasse, toute huileuse, voilà, parce que ma zone T, elle est vraiment brillante. Et bien avec cette poudre de finition, donc qui remplace celle-ci, la poudre Biolt, c'est la poudre transparente. Celle-ci, elle a une protection solaire. Donc tip top pour l'été. Donc déjà la bébé crème hydrate la peau et notre peau l'été c'est vrai a besoin de beaucoup plus d'hydratation qu'en hiver.
Mais en plus de ça, cette poudre a une protection 25. Donc, idéal quand on va à la plage. Moi, la première, je n'aime absolument pas mettre de crème au visage, crème solaire. Donc, ça, c'est idéal. Vous badigeonnez juste le visage avec ça. Non seulement vous ne brillerez pas, mais en plus, vous serez protégé du soleil. Donc, il y a quatre teintes, la claire, la moyenne, la dark, et après pour les peaux métisses, la super foncée. Donc elle se présente comme ça. Donc vous avez le pinceau incorporé, tip top pour les vacances. La poudre se trouve en bas. Et il faut simplement actionner la petite bague pour faire remonter la poudre à ce niveau-là. Vous voyez, on actionne et on se badigeonne. Donc, vous voyez, elle matifie la peau. Je crois que j'ai un petit. Elle est un petit peu bouchée la mienne. Parce que là, il faut que je regarde mieux cette prouée. Tout à l'heure, quand j'aurai fini le live. Hop. Je sais pas si j'ai internet ou pas. Je sais pas si ça marche. J'en sais absolument rien. C'est pas grave. Hop. Je vois aucun commentaire. Allez, j'actionne. Il faudrait jouer ça, pourquoi le... Hop. Voyez, moi je l'ai depuis l'année dernière, je m'en suis servi tout l'été dernier. Et vous voyez, elle est encore pleine, hein. Donc moi ce que je trouve top aussi. Donc voilà. Donc on est poudré, on est matifié. Et ce qui est top, c'est ça. Parce que ça, je m'en sers pour tout le reste. C'est-à-dire, c'est laquelle? Bon, c'est la Sunset que j'ai pris. Pour ma poudre bronzante, je m'en fais le contouring. Pas besoin de sortir un autre pinceau. Vous voyez? Je vais m'apercevoir que j'ai pas bien fait les racines de l'arbre. Quand on regarde de près, on voit tous les petits défauts de la couleur. Vous voyez? Bon là, c'est la Sunset, hein. C'est la plus claire, hein, en contouring. Hein. Et je vais utiliser, alors, alors attendez, j'ai réfléchi. Ouais, je vais utiliser la Sweet pour le blush. Et vous voyez, j'utilise le même pinceau. Pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux quand on part en vacances au bord de l'eau. On s'allège au maximum, hein. Ben voilà. Je m'en sers pour le contouring et pour le blush. Et pour la poudre, bien évidemment. Donc, vous avez ces trois produits dans l'offre du mois. Vous avez un masque au choix, une bébé crème au choix, et vous avez en cadeau, 42 euros de cadeau, la poudre SPS 25. Donc, c'est vraiment tip top. Vous avez 30% sur cette collection. Hop! Voilà. Alors, pour les yeux, je vais utiliser un splurge. J'ai envie de vert. Voilà. Je vais prendre du vert. Du vert. Et je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'ai du marron ou du gris? Ah oui, tiens, j'ai celui-là. Allez, c'est pas grosse. J'ai envie de splurge aujourd'hui. Le splurge, c'est quoi? C'est des ombres à paupières crème, tout simplement. Il se trouve dans une petite, un petit flacon comme ça. Donc bien penser à les refermer parce que sinon ça sèche. Donc je vais utiliser ces deux couleurs. Donc ça c'est une couleur, c'est Victorious, couleur marron mat, mais clair, hein. Et la couleur assertive, c'est un vert pailleté. Alors pour ça je prends le pinceau spécial Splurge. Il est où? Il est là. Voilà. Voilà mon pinceau. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est travailler un petit peu la matière avant de l'utiliser. Voilà. Hop, je l'installe
mon miroir plus près. Parce que j'arrive pas, du téléphone, j'arrive pas. Et... Oula, j'en mets partout. Alors, c'est pas grave. On va venir avec le pinceau estomper tout ça. Et je monte bien là-haut. J'ai envie qu'ils se voient. J'adore le vert. Ouh, un orage se prépare. J'entends tonner. Je sais pas quand est-ce que le soleil va revenir, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que... Ouh. Bon, je vais estomper parce que là, je vois pas du tout ce que je fais comme bêtise. Vous voyez, j'ai fait un fond... J'ai fait un style de V. Hein. Je vois pas les commentaires. Si vous n'êtes pas sur ma page, je vois pas les commentaires, les filles. Hein. Il faut être sur ma page pour voir que je voie les commentaires. Puisque le live a démarré de ma page. Sinon, je les verrai après. Vous voyez, quand on estompe, hein, de suite... Ah non, j'ai cru qu'il pleuvait. C'est une voiture qui passe. Bon, je sais pas quand est-ce que le beau temps va s'installer, mais... Alors, ça donne quoi? Ouh, j'étais un peu loin là. J'étais un peu loin. Vous voyez, quand on va vite, vite et bien, ça va pas. Attends, je vais voir mon miroir, mon petit miroir. On va essayer de rattraper tout ça, vous voyez. Toujours l'estompage vers l'intérieur de l'œil, hein, par contre. Voilà. Armel, si je prends pas le pinceau dans le bon côté, ça va pas le faire. Hein. Bon, moi j'aime le vert, hein. Ça se voit. Hein. Hop, je vais revenir un peu plus à l'intérieur de l'œil du coup. Oh, c'est la musique, je croyais que c'était la petite que je garde qui pleurait. C'est la pub. Hop. Alors, je vais regarder mieux. Ouais, ça va. Pour l'épilation, il faut que je refasse l'épilation des sourcils. Allez, mon tamis pour nettoyer mon pinceau. Voilà. Je nettoie bien mon pinceau entre les couleurs pour éviter ben, justement de transvaser des paillettes vertes dans mon marron mat. C'est la couleur Victorious. Coucou Nathalie. Allez, hop. Ma peau, bah j'ai rien fait. J'ai rien fait. Là, j'ai juste mis, bah, comme ce matin, j'ai mis, si j'ai fait un masque. Je pense pas que ce soit ça. Hein. J'ai fait juste un masque. J'ai fait le masque illuminateur là tout à l'heure. Je l'ai enlevé en live, au début du live. J'ai mis ma bébé crème
Et j'ai mis ma poudre SPS 25, c'est tout. J'ai rien fait de plus. Mon contouring comme d'hab. Coucou Elodie. Non, j'ai rien fait de plus, hein. Pourquoi elle a quoi de particulier ma peau? Bon, le bronzage, tu le sais ce que c'est, hein. C'est mes gélules, hein. Je prends des gélules pour. Brillante, non. J'ai juste mis la bébé crème et je te dis cette poudre-là. J'avais peut-être pas mis assez de ça, hein. Parce que j'ai un problème avec mon. J'ai l'impression qu'il remonte pas, mais. Ma poudre. Bon, je ferai ça après, hein. Ça après, mais j'ai juste fait mon masque aussi, c'est tout par rapport à ce matin, vu que tu m'as vu ce matin. Hop, alors au niveau des yeux, je vais reprendre le vert et je vais aller en mettre un petit peu, donc en quoi externe pour un petit peu renforcer la couleur vert. C'est celui-ci le masque illuminateur, mais je vais te montrer la texture que ça a. C'est un peel-off, hein. C'est le seul masque que l'on a qui est peel-off. Il est à base. Ça sent la mandarine, ça sent tous les fruits comme ça. Zut, j'ai tout fait tomber. Mais il est en tube maintenant. Le nouveau packaging est en tube. Et je pense qu'il est. Déjà, il séchera moins. Parce que là, celui-ci, je vais te montrer. Mais il est où? Voilà. C'est celui-là. Donc c'est un masque peel-off que tu enlèves comme ça. Il sert pour tonifier la peau. Pour l'élasticité, non, on ne le voit pas bien là. Parce que tout le tour là, c'est tout sec. Donc c'est vrai que je pense qu'en tube, tu fermes le bouchon et basta. Que là, en peau, il sèche plus vite. Donc c'est un masque peel-off. Le masque illumina... C'est le masque éclat plus exactement. Ils ont changé le. C'est pour la peau plus éclatante, quoi, en fait. Allez, je mets un petit peu de vert en coin externe et je vais venir en mettre dessous l'œil aussi. Pour rappeler la couleur. Coucou Karen! Attends, là je vais. Je vais mettre partout. Je vais faire pareil de ce côté. Mais tu l'avais pas essayé toi déjà ce masque-là? C'était pas celui-là que tu avais essayé? Ou c'est peut-être l'exfoliant, non, que tu avais essayé? Je me souviens plus. Comment vas-tu, Karen? Alors c'est fait, elle continue de plus belle. J'ai vu ça. Toujours à faire la fête. Est-ce que vous aimez ce vert? Moi j'adore. Bon, moi j'aime les couleurs flashy, hein, donc. Elle n'est pas très flashy, mais elle est foncée, on va dire. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais. Par contre, j'ai vu de près qu'il fallait que je refasse les sourcils. Hein. Ouh. Ah bah tu. Tu m'étonnes. Nous, ça y est, hein, on a fini les fêtes. Hein. Après, là, c'est des invitations. Ah, aucun produit. J'en ai pas de cela en échantillon. Bah, tu m'étonnes, 3 jours. Non, nous, on a fait juste des apéros, des trucs comme ça. Alors, je voudrais mettre un petit peu d'illuminateur là. Il y a Karen, il faut que je mette de l'illuminateur. Je vais prendre le bénévolat. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau estompeur? J'aime bien le poser avec l'estompeur. Non, non, ça y est, nous, on a fini les fêtes. On va. Si, le 30 juin, on va réunir tous les comités des fêtes qui ont participé. Qui ont parlé toutes les fêtes des laboureurs, quoi. Et
Et voilà, on va faire un grand barbecue. Oui, t'as vu, je l'ai mis. Hein? Non, je le mets maintenant à chaque fois. C'est vrai que ça finit bien le maquillage. Et ben, je vais mettre le 4D aujourd'hui, tiens. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis le 4D. Le 4D qui se présente dans une superbe boîte. Et vous avez une notice dedans. N'oubliez pas. Où il y a Lauriane. Coucou Sandrine. Je vois pas qui c'est qui se connecte, moi. Non, je croyais qu'elle était réveillée, petite. Donc, le mascara 4D, c'est quoi? C'est un mascara qui remplace le mascara qu'on avait avant, le 3D, qui avait deux tubes, le tube de fibre et le tube de mascara. Et donc maintenant, c'est deux en un. Mais la particularité de celui-là, c'est qu'on ne va pas le positionner. Coucou Sandrine, comment vas-tu? On ne va pas le positionner comme un mascara classique en remontant comme ça sur les cils. Ah, d'accord. Bah, parce qu'elle est amie avec toi. C'est pour ça que moi, je ne la vois pas. N'hésitez pas à partager les filles, hein. Ça m'aide énormément. Vous voyez, donc déjà, moi, tout le mascara, je viens par derrière. Bon, j'en mets de partout, comme d'hab, vous avez l'habitude. Et après, alors, pour poser ce mascara, il faut faire des mouvements de zigzag et en même temps tourner la brosse. Donc au début, on n'a pas le coup de main, hein. Mais c'est normal. Au début, c'est un peu... Je les coiffe un peu. Faut que je refasse un soin. Mes cils, vous avez vu, il y a un manque là. Il faut que je fasse un soin sur mes cils. J'ai un trou. Et là, c'est fini, Karen? Les fêtes? Ou il y en a encore? Donc, je viens coiffer par derrière mes cils. Et après. Donc déjà j'en mets sur toute la longueur des cils. Alors le mouvement de zigzag, c'est pour poser les fibres. Voyez. Putain, je suis désolée, hein, les musiques, elles sont nulles. Mais bon, si je mets des bonnes musiques, le problème c'est qu'après Facebook il me bloque. Il me coupe le son de mon live. Ah ouais, t'as pas fini. Nous, on n'a plus qu'une chose. Juste ce... Voilà, c'est pas une fête, c'est pour se retrouver tous ensemble, quoi. Pour finir la saison des fêtes des laboureurs. Après, on a Michoui fin août. On a... Et après, nous, on attaque, et ben, on attaque pour inviter tout le groupe à la maison pour les photos, photos avec les journalistes. Et puis après, on enclenche, nous, hein, on enclenche ben, tous les préparatifs hein, pour la fête, nous, en janvier. Ben, comme toi, hein. Donc encore, on ne pourra pas se voir puisque c'est aux mêmes dates. Donc on ne pourra même pas faire... La fête ensemble. Ah oui, l'auto en plus. Ah ouais. Je voudrais réveiller la petite. Aïe. C'est encore la fête, hein. C'est pas fini, hein, chez vous. Et en rouge à lèvres, j'ai envie d'utiliser le rouge à lèvres poudre. Vous voyez, c'est de la poudre. Et donc, je peux vous présenter que trois couleurs. J'en ai pas plus pour l'instant. J'ai la couleur Captivating. Coucou Jenny. C'est un bordeaux. Donc, vous voyez, c'est de la poudre. Et au contact de la peau, ça devient de la crème. J'ai la couleur. Ça, c'est plutôt d'un ton nude. J'ai la Complicated. Et donc, voilà. Ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est de la poudre. Et le dernier, c'est le corail. Je vais vous dire la couleur, le nom de la couleur. Il est magnifique, celui-là. C'est la couleur
Capricious. Donc j'ai envie de corail aujourd'hui. Malgré le temps, on va mettre un petit peu de couleur. Voyez, c'est de la poudre et au contact de la peau, ça devient de la crème. Qu'est-ce que vous en dites de ce make-up? Il n'y a que les yeux qui sont bien foncés. Le reste, je trouve que ça pardon. Qu'est-ce que vous en dites? Ah si, je vais faire mes sourcils aussi. J'ai pas vu qu'il manquait un petit peu. Alors, je vais prendre ma couleur. Moi, c'est la couleur dark, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est les dark. Donc, le crayon sourcil, moi, je l'aime bien parce qu'il est facile à utiliser. Donc, vous avez la brosse de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous avez la petite mine qui se rentre et qui se ferme suivant ce qu'on veut. Voilà. Alors, si, chose importante. Brosser les sourcils. Et je viens tracer le bas de mon sourcil. Ah non, c'est ma fille qui fait du bruit. Moi, ça y est, la grande a fini l'école. Je brosse. Vous voyez, j'estompe. Et ça comble bien le sourcil tout en restant naturel. C'est surtout ça. Ah oui, non, mais j'y pense parce que tu vois, j'ai des trous là. Bah, je vais faire le soin. Pour les cils, c'est alors c'est ça le soin. Voilà. C'est prévu pour les cils. Alors, il faut en mettre tous les soirs. Ça permet de renforcer nos cils, je veux dire. Les renforcer et les faire pousser, quoi. Et je vais en mettre aussi aux sourcils parce que ça avait bien fonctionné. La dernière fois, j'avais un gros trou là. Et ça a bien fonctionné. Donc je vais refaire pareil. Voilà, les sourcils sont faits. Ça a bien fonctionné, donc bon, il suffit de ne pas oublier, comme moi. Moi, j'ai le problème, c'est que je commence un traitement et pour j'ai tendance à l'oublier et du coup, oh, j'ai pas mis beaucoup aujourd'hui. Et du coup, bah, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Voilà pour le make-up d'aujourd'hui, donc tout simple. Bébé crème, contouring, les yeux, j'ai mis du splurge. Et puis rouge à lèvres, corail. J'ai dit quelle couleur déjà? Capricious. Merci Karen. Donc je vous rappelle l'offre de ce mois-ci. Donc un masque au choix. Vous avez quatre masques, une bébé crème. Et puis une poudre de finition qui matifie votre peau. Et en plus de ça, surtout, elle protège du soleil. Elle a un indice de protection de 25. Voilà, vous avez ça en cadeau si vous prenez les deux autres produits. Voilà les filles. Ben, je vous souhaite de passer un bon après-midi. Je ne vous dis pas rendez-vous demain parce que demain j'ai une autre petite hangar dans une plus grande. Donc je vais devoir l'occuper tout l'après-midi. Je vous donne rendez-vous peut-être demain soir, tiens. Si je finis pas trop tard, demain soir. Allez, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon après-midi. Et je vous dirai quand est-ce que je reviens en live. Allez, gros bisous, ciao, ciao!